Eh bien donc, bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle soirée en live sur Super Paper Mario. Alors, on va regarder un petit peu cette cinématique d'opening que je n'ai pas forcément eu encore l'occasion de vous présenter durant les épisodes précédents. Ça nous laissera le temps comme ça aussi aux gens d'arriver petit à petit maintenant que le live a commencé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Hop, je sais que j'ai un petit peu de retard, mais bon, normalement, tout devrait très bien se passer pour la suite du live. Alors, voici l'histoire du dernier possesseur de ce livre maudit, c'est une histoire d'amour. Alors, il me semblait qu'au tout début, on avait notamment le mariage entre Bowser et Peach qu'on pouvait voir. Que m'est-il arrivé, où suis-je? Enfin réveillé, princesse! Hein? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est la scène du mariage. Bowser! Ils sont mignons. Vive le marié! Que se passe-t-il ici? Comte, alors, tout est prêt. Bien, la cérémonie va pouvoir débuter. Bowser, féroce, roi des Koopas, puissant et respecté. Voulez-vous prendre Peach pour époux jusqu'à ce que le game over vous sépare? Si je veux épouser Peach, bah, la réponse est oui. Peach, noble princesse au cœur pur. Voulez-vous prendre Bowser pour époux jusqu'à que le game over vous sépare? Et une petite minute, vous allez m'expliquer ce qui se passe tout de suite. Je crois qu'elle est pas trop d'accord. N'est-ce pas évident? C'est votre mariage, princesse. Avec la petite musique qui va bien derrière. Mais comment se fait-il que j'épouse Bowser? C'est une bonne question. Bah, pas d'objection de ce collègue d'hôtel, mon vieux. Je ne comprends pas du tout, mais le comte s'est donné beaucoup de mal pour nous. Bowser, ça l'arrange un peu, il faut le dire. Détends-toi, on va se marier et on va s'aimer et tout sera parfait, enfin. Ah, pas question. Qui a choisi cette robe? Elle est horrible. Oh, elle est pas si horrible que ça. Juste qu'on me ramène au château. Oula. Ah oui. Ils vont pas lui laisser le choix, en fait. Manquer de respect au comte n'est pas très bien vu, ok? Donc, Princesse Peach, vous allez répondre au comte maintenant. Voulez-vous prendre Bowser pour époux jusqu'à ce que le game over vous sépare? Est-ce qu'elle va résister? Non! Je vois, vous êtes coriace, mais sachez que personne ne peut résister à ma super hypnose. Ah ouais, donc c'est sa technique secrète. Donc elle va la forcer à dire oui. Ah, 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 ah! Elle a dit oui! Elle a dit oui, elle a dit oui. C'est la fin du monde. Ah, mais il y a Luigi. Qu'est-ce qu'il fout là? Il aurait pas pu se réveiller plus tôt, lui. Qu'est-ce que... Eh, qu'est-ce que je fais ici? Mais, c'est la princesse Peach, là-bas. Et ce type est... Oui, comme annoncé dans l'Opus Tenebrus. Le voilà qui apparaît, le cœur du chaos. Oh. Il a l'air un peu bizarre ce cœur. Oh, alors félicitations, comte. Stop! Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Super Luigi. Et qui es-tu, toi? Demande le comte Nyark. Oh non, je ne donne pas mon nom au scélérat. Tu vas voir comment Luigi s'occupe des sales types dans ton genre. Bon, ok. C'est parti! Alors, je vais vous demander d'arrêter tout de suite, ok? Si vous interrompez cette... Ah. Oula. Ok. Oulala, bêtise. Et voilà comment Luigi sauve la princesse Peach! Hein? Vous notez que contrairement à Mario, Luigi peut parler. J'avais pas fait la remarque avant.
déclenché un truc bizarre. Vous n'avez rien, comte? Imbécile, toute tentative de résistance est inutile contre le comte Niarch. Bien, maintenant que j'ai le cœur du chaos, ces insectes ne me servent plus à rien. Il est méchant. Ça veut dire que vous pouvez tourner une autre page de la prophétie. Venez à moi, ténèbres. Engloutissez et détruisez tous les mondes comme prévu par la prophétie. Voilà donc pourquoi il avait provoqué le mariage. Hein. On avait vu notamment la prophétie comme quoi deux êtres aux opposés devaient se marier et ainsi créer le cœur du chaos. C'est fantastique. Niveau 4, 1h50 de jeu. Et bien c'est parti, nous allons donc continuer notre petite aventure. Alors notamment lundi dernier, il n'y a pas eu de live parce que j'avais pas trop la tête à ça. Donc ce soir, on reprend l'aventure là où on s'était arrêté mardi dernier. Donc nous étions revenus dans Recto. Et notamment, on avait sauvé la princesse Peach. Oui, voilà, on pouvait incarner la princesse Peach. Alors attendez, hop, voilà, c'était ça. Et ce qu'on doit chercher donc maintenant, c'est le nouveau pilier cœur. Et pour ce faire, mince, comment on change de sens déjà? C'est pas la touche A. Attendez, du coup, je me rappelle plus les touches. Aide info, menu rapide, 10 pixel, déplacement Peach interagir se défend. Comment? Ah mais non, mais c'est parce qu'on a Peach, on peut pas changer. D'accord, attendez. Voilà, c'est ceci. Et donc en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en changeant de dimension, notamment, on a obtenu une clé. Et en fait, je m'en souvenais, il y a une porte cachée ici. Fail, c'est pas grave. Qu'on va pouvoir ouvrir du coup, avec la clé que nous a donné le vieux Merlin. Merlon, pardon. Hop. Tu fais bien la voix maléfique. Bah merci, attendez, je dois juste faire un truc. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, voilà, là on a changé de sens. À bord de Recto, attention monstre. Ok, on va peut-être pas y aller tout de suite. Alors on va juste regarder ce qu'il y a dans ce coin là. Donc là, il y a rien. On va aller voir de l'autre côté aussi. Alors je vais live jusqu'à 22h. Ce soir je suis un peu occupé, je ne pourrai pas live jusqu'à 22h30 encore une fois. J'en suis désolé. Alors là, notamment, on voit un tuyau. Alors pourquoi des fois j'y arrive et des fois non? C'est du délire, ça. Attendez. Ah, j'ai compris. Alors, quand je fais un saut sans prendre d'élan, je saute à un cube. Quand je prends de l'élan... D'accord, c'est comme ça qu'on saute plus haut. Bon, bah, révélation. Ça commence bien, ce live. C'est super. Non mais c'est important comme information parce que à chaque fois je comprenais pas pourquoi des fois mon personnage sautait haut et des fois non. Donc ça a commencé à me désespérer un petit peu. Donc on va devoir sûrement utiliser le tuyau là qui est juste à côté, je sais pas trop ce que c'est, on va aller voir. Hop. Toujours à la recherche donc du pilier cœur. Alors pas de facecam non pour ce soir non plus. Peut-être on fera ça la prochaine fois. Ok, lui, on va essayer de lui sauter dessus, j'aurais pu faire un petit saut. Stylay. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Bloqué, passer en 3D, tout le monde sait ça. Oh. Alors je crois me souvenir d'un autre passage secret d'ailleurs. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, des fois il y a des choses comme ça qui nous marquent dans les jeux vidéo, notamment bah, ce passage secret. C'est génial, j'ai même pas vu ce qu'il y avait dedans. Ça m'a marqué quand j'étais plus jeune, j'avais dû tomber sans faire exprès. Et ça avait dû me mettre un petit coup de flip, du coup maintenant je m'en souviens. C'est tout stupide, hein, mais... Et non, non, ce n'est pas la touche 2 pour changer de côté, c'est la touche... c'est la touche A, mais uniquement avec Mario. Alors là on peut pas, donc là il faut qu'on aille à droite. On avait vu une petite flèche encore une fois. Pam, 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 pam. Alors... Toc. Tiens, regardez, donc là, je sens qu'on va pouvoir planer avec la princesse Peach. D'où la disposition des cubes juste à côté. Non mais, oh, t'es cheaté, toi! Pas possible, ça. Il avait combien de boules dans la bouche? Mon dieu, cette phrase à ne pas sortir du contexte. Ouais, donc le pilier cœur est là, mais en effet, on va avoir besoin de la princesse Peach. Donc on va aller tout à gauche. Alors...
Merlon, c'est celui qui détruit la porte millénaire. Alors, Merlon, non, je me souviens pas l'avoir vu dans Paper Mario, la porte millénaire. Il me semble que c'est un personnage qui n'est présent que dans cet opus de Paper Mario, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, c'est quand même pratique d'avoir un parapluie. On se la joue un petit peu Mary Poppins. On va reprendre le petit Mario et on va déposer le deuxième cœur pur et donc débloquer l'accès au prochain chapitre. Voilà, donc la porte orange. Super! Alors, je vois quelqu'un qui me demande pourquoi il ne peut pas baisser la qualité du live. Alors malheureusement, je pense que c'est un souci lié à Dailymotion. Et ce n'est pas la faute à Level Down, donc je suis désolé, on peut pas vraiment régler ce souci. Je sais que ça le fait pas à tout le monde. Moi, notamment, je peux baisser la qualité du live si jamais j'en ai envie. Donc, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont ce problème. En tout cas, si vous le pouvez, ben, n'hésitez pas. Si jamais vous avez quelques soucis de ralentissement, des sauts d'image ou ce genre de choses, à baisser la qualité du live, justement. Oh, pourquoi il y a le cœur là-haut? Bizarre. Ça pourrait vous aider. Si vous avez un écran noir, ce serait bien de prévenir les gens d'appuyer sur la touche F5 pour actualiser le live. Normalement, ça devrait retirer leur écran noir. Oh la vache! Comment j'ai pu rater un truc pareil, hein? Un saut pareil. C'est quoi ça? Je peux pas faire une attaque là-dessus. Il y a des piliers bizarres là, j'avais même pas remarqué tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer? Je sais pas, j'ai déjà perdu la moitié de ma jauge de 3D. 2. 1. Parfait. Le troisième monde. Non, non, c'est le deuxième monde, ça. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. On va pas forcément passer par Merlin ou tout le tralala. On va juste s'autoriser. Allez, dans le doute, une petite sauvegarde. Ça nous prend 2 secondes. Et on va prendre le super ascenseur. Voilà, donc certains me disent qu'en effet, ils peuvent changer la qualité du live. Donc, c'est pas un souci qui est présent chez tout le monde. Est-ce que c'est grave si j'ai loupé le dernier épisode? C'est pas forcément très grave, en revanche, je t'invite à le regarder, il est disponible sur ma chaîne en rediffusion. Alors... Avec la princesse Peach à ses côtés, Mario reprit la route prêt pour une aventure. Nos deux héros avaient pour mission de retrouver Merly, la mystérieuse magicienne. D'après les dires de Merlon, elle serait la clé qui mènerait au prochain cœur pur. Peu enclin à fuir devant le danger, Mario se mit donc en route pour le manoir de Merly. Il était loin de se douter que les sombres pièges du comte Nierk l'attendaient au tournant. Oh, le manoir de Merly. Est-ce que ce serait un manoir hanté? Un manoir hanté? Ou plutôt... En V. Ok, c'était le jeu de mots le plus nul du monde. Pam, 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 pam. Oh, changement de décor. Rien à voir avec la première, le premier monde. Ouh, c'est très coloré ici. On dirait que quelqu'un a vomi sur le papier peint. Bref, le corps pur est quelque part. Je le sens, un long chemin nous attend. En route! Pam, 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 pam. Ok, ça marche pas. Pff, et j'ai envie de monter là-haut, mais il me fout un coup de pression, je peux même pas m'approcher. Voilà, allez, oust. Alors, on va juste vérifier tout de même s'il n'y a pas un petit cube caché par ici. Alors, non, non, et non. Rien du tout. Pam, pam, pam. Hey. Pourquoi il y a de l'eau partout ici? Peut-être qu'on peut nager, mais... Attendez. Déjà, il y a des pièces que j'avais pas vues. Ça m'étonne un peu, cette disposition-là. Pourquoi il y a de l'eau comme ça? Ça commence bien, cette histoire. Toi, par contre...
Aïe, je peux pas l'attraper parce qu'il est d'accord, il y a une pique sur sa tête. Oh, c'est dommage. Bon, on va tenter de marcher dans l'eau. Ok. Mais non, mais je suis bête, moi. Mais non, mais... Qu'est-ce que j'essaie de faire, hein? On a la princesse Peach, faut bien qu'elle serve à quelque chose, quand même. Voilà, j'avais oublié. Bon, je sens que je vais souvent oublier qu'on a deux personnages, hein. Faudra penser à me rappeler, parce que sinon je risque de rester souvent bloqué, comme je viens de le faire. Hop. Alors, comment on fait pour aller là-haut? Je ne sais pas. Hop. Pardon, hein, je suis désolé, je suis en train de marcher sur la tête de tout le monde, c'est pas du tout voulu. Là non, là non, là non, là non. Alors attendez. Tiens, regardez. Hop. Il y avait ceci sous nos yeux. Donc ouais, en effet, donc je vois, bon, avec un petit peu de retard, qu'on m'a dit qu'il fallait planer pour passer. Bon, vu qu'il y a un petit décalage sur le live, c'est normal que je l'ai vu en retard. Non, ce soir, il n'y a pas Banano avec moi. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? C'est le gang des bonhommes à long nez. Ah non, ils ont des grosses bouches. C'est pas leur nez. Avec, du coup, la clé. Hop. Parfait. Tu n'utilises pas assez la 3D. Attendez, j'ai tout fouillé en 3D, là, quand même. Oula! Oh, la feinte. Je pense que la 3D... je l'utilise assez souvent, tout de même. Alors... Ah oui, le petit bonhomme. Boum! Ah mince. Il est mort! Hop là. Hop. Ah, regardez dans le fond, là-bas. Il y a un interrupteur. Hop. Au revoir, les petits bonhommes. Au revoir, les petits mariés, je vous aimais bien. Il n'y a que 4 mondes? Non, il y a plus de mondes que ça. Enfin, je pense. Après, bon, on m'a dit que c'était pas un jeu très long, mais... tout de même. Oh! Elle a rangé son... son parapluie pour je ne sais quelle raison. C'est quand même assez fun, le coup de cet ascenseur-là. Hop. Bon, au moins, il n'y aura plus la carapace pour me gêner. Parfait. Je sais pas vraiment ce qu'on va trouver derrière ce tuyau. Ah bah oui, voilà, parfait. Du coup, on est de l'autre sens. Oh non, on a encore tué un petit Mario sans faire exprès. Regardez, ils vont moins vite que nous, c'est bizarre ça. Ils sont un peu à la ramasse. En tout cas, ils sont très penchés écologie ici, avec le nombre d'éoliennes qu'ils ont sur... sur leur montagne, je pense qu'ils ont de quoi aller... Ouais, ils ont de quoi faire tourner 2-3 villes avec autant d'éoliennes. Hop. Alors... Alors, je vois quelques personnes qui lag. Ouais, je pense que c'est justement le fait que vous soyez probablement en 720p. Donc si vous en avez la possibilité, réduisez la qualité du live. Sinon, si vous avez quelques questions, c'est le moment. Là, pour l'instant, c'est assez calme, il n'y a pas trop d'énigmes ou quoi que ce soit. Donc j'ai le temps d'y répondre. Hop, on va passer par là. Au revoir, le petit Mario. Est-ce que Papy Free fera son retour? Papy Free, alors notamment que vous avez pu le revoir dans la vidéo avec Alexandre. Ah oui, Super Peach. Il n'y a pas trop de raison qu'il y ait de Papy Free ce soir, à moins qu'on ait un vieux personnage qui apparaisse. Voilà, donc je vois quelqu'un qui me conseille de prendre l'étoile d'invisibilité avec Peach, justement. On va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Oh là là, qu'elle est moche. Oh, j'ai déjà vu plus sexy. Elle les explose à coups de poitrine, regardez-moi ça. Coup de poitrine, coup de poitrine. C'est sexy comme mort. Hop là. Alors, il me semblait que je pouvais mettre un coup de parapluie aussi, mais... Ah si, c'est peut-être comme ça. Ouf, bêtise. Non, c'est pas comme ça. Ouf. On a failli se la reprendre. On va jouer un peu plus avec Peach, d'ailleurs. Essayons de varier un peu. Elle ralentit le temps pendant un court instant. Chaque ennemi vaincu vous rapportera aussi 3 fois plus de points et de pièces. Par exemple... Boum. x3. Alors, on
totalement ralenti. C'est assez bizarre à jouer. Oh, la grosse pièce là-bas. Ça dure combien de temps ce bidule? Ça servait à rien surtout. C'est-à-dire, c'est bien beau que les ennemis nous rapportent 3 pièces, mais... S'il n'y a pas d'ennemis, ça ne change pas forcément la vie non plus. Hop. On ramasse les petites pièces. Donc là, j'ai mangé une pièce... Non, une fleur qui fait apparaître des pièces. On en avait déjà croisé une. Sur notre chemin, plutôt. Hop! Il a failli m'avoir celui-là, le petit coquin. Voilà, on y est arrivé sans compte. D'ailleurs, je pense qu'on peut sûrement passer par là. Alors, par contre, il y a... je sais pas combien de portes ici. Je suis censé prendre laquelle? Je suis censé prendre laquelle? Oh, sérieux. Bon, allez, on prend la dernière. Salut! C'est pas très drôle parce que je peux pas te tuer. Attendez. Je peux pas changer. J'avais pas un autre pixel, non, j'avais que celui-là. Non, bah je peux pas les tuer ceux-là. Bon, bah c'est pas la bonne porte. On va dire que c'est pas la bonne porte. On va tenter celle-ci à la place. Qu'est-ce que c'est que ce bidule-là? Attendez, on va utiliser notre super pouvoir. Il se rapproche. Super pouvoir, c'est le moment de se déclencher. Vut ! Abruti de pouvoir qui veut pas se déclencher. Comment ça s'appelle ce machin? Un schlurp. Il a la peau dure et les dents creuses. On sait pas combien il a points de vie, il a une défense incroyable. Aucune attaque ne peut en venir à bout. Mais les schlurps n'ont pas l'estomac aussi solide que leur carapace. Servez-vous un plat explosif. Celui-là non plus, on n'aura pas de cette façon-là. Il nous faudrait une bombe. De même que pour... la porte d'avant, une bombe nous aurait été assez utile. Non mais ils vont nous mettre combien de slurp de slurp au même endroit. Ok. Bon, il nous reste encore une porte, hein. Je pense que Mario serait bon en porte-à-porte. Mais non, mais... Ok, je me pars d'ici. C'est quoi ça? C'est un troll. À chaque fois qu'on rentre dans ces portes, on peut rien faire. Ah, tout de même. Peut-être que j'étais pas censé atteindre cette zone-là aussi. Parce que je suis passé alors qu'il y avait des blocs pour nous bloquer le chemin. Ouais, sans blague, tu crois que j'avais pas compris qu'il y avait quelque chose de caché? Je ne suis pas non plus stupide! Voilà, une pièce vide. Je me doutais bien qu'il y avait un truc de caché. Alors, ouais, l'attaque fesse, bah je l'ai pas l'attaque fesse. Ouh, c'est quoi ça? Oh, j'ai résolu une énigme. Oh oui. Bah je pense qu'on va avoir le pixel bomb hein, du coup ici. Un peu comme dans les jeux Zelda. Ah bah non, il y a personne. Psst. Oh, il est là, il est tout mignon, il est tout petit. Onde positive détectée, mes senseurs captent des ondes explosives. Je n'avais pas senti d'onde aussi explosive depuis 1500 ans. Laisse-moi vérifier que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Il explose tout le temps à chaque fin de phrase. Il te suffit de répondre à quelques questions. Encore, mais... C'est la mode, nous questionner dans ce jeu. Tu te demandes comment ils font rentrer le dentifrice dans le tube. J'avoue que j'y avais jamais pensé. Pour une raison inconnue, tu ranges ta chambre avant un test. Oh, mais comment il sait tout ça? Quand quelqu'un te dit « je préfère qu'on reste amis », tu te dis « c'est ça ». Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Tu ne comprends pas pourquoi je te pose toutes ces questions bizarres, mais comment tu le sais? Je viens de le dire. Tu penses que la chaîne boutique est une expérience magique inoubliable? Ouais. Il t'est arrivé de mettre un t-shirt à l'envers et de sortir sans t'en rendre compte. Ah ouais, je m'en souviens.
T'en as d'autres, des comme ça? Tu n'as jamais sommeil le soir, mais tu as du mal à te lever tous les matins. Ah, c'est toujours comme ça. Tu commences à en avoir marre de ces questions. Tu l'as dit. Bon, est-ce que j'ai passé le test? Parfait, parfait, parfait! C'est ce que j'appelle des ondes de choc. Ok, il va nous accompagner du coup. Bombi! Ok. Allez, on va utiliser Bombi sur la fissure ici. Ne vous inquiétez pas, je l'avais repéré. Voilà. Donc l'astuce, c'est de changer de plan pour passer à travers. Et qu'est-ce qu'on a comme trésor ici? Fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, c'était le vieux dans la ville là qui nous a toujours fait gaffe hein, tout le temps. Je m'en souviens de celui-là. Ouais, je vois quelqu'un qui laisse un message comme quoi il est bien calé devant le live avec un chocolat chaud. Bah, n'hésitez pas, hein, profitez-en. Allez vous prendre une petite boisson. C'est toujours plus sympa. Du coup, regardez, en fait, je suis passé en trichant comme ceci. Bon, enfin, tout à l'heure, ça a marché. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Faut utiliser le petit bombi pour faire péter le chemin. Et là, on peut passer à la réglo. Donc, on va juste refaire du coup chacune des portes. Alors, je suis désolé du coup. C'est pas forcément la chose la plus passionnante à revoir, mais. Voilà. Je sais même pas s'il y a besoin de le tuer ou pas, mais. Eh, dans le doute, je le fais. Voilà, du coup, toi, tu vas me bouffer une petite bombe. Ça va te faire du bien. Ok, là non plus. On va prendre la dernière porte. Alors, les pixels bonus, est-ce qu'ils sont durs à avoir? Bah, c'est une bonne question, en fait, je m'en souviens plus. Mais je me souviens en effet qu'il y a des pixels bonus. Aïe, ça pique. Je ne sais même plus à quoi ils servent en fait pour vous dire les pixels bonus. Ok, donc on ressort ici. Toc, toc, toc. Et on a fait apparaître la porte magique. Si c'est pas fantasmagorique tout ça. Oh, regardez, on est bientôt à côté du manoir là. Fin du chapitre, j'ai snobé les ennemis. De l'autre côté du marais, nos héros se retrouvèrent face à une imposante résidence. Ce doit être le manoir de Merly, s'exclama la princesse Peach avec joie. Si seulement nos amis pouvaient trouver rapidement le cœur pur, leur quête ici serait terminée. Mais quand le destin s'en est-il montré aussi indulgent avec Mario? Oui, cette phrase n'a aucun sens. Plein d'appréhension, nos courageux héros pénétrèrent dans le manoir de Merly. Oh. On est rentré dans le manoir. Merly Mello. Moi, ah, ah, je comptais le faire le jeu de mots, c'est pas possible. Ils m'ont devancé. C'est pas très gentil tout ça. Je vais briser l'ambiance. Toc, toc, toc. Alors, ça ressemble à s'y méprendre avec le manoir hanté de Luigi's Mansion. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. De ce côté-là... J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Oh! Qu'est-ce que c'est? Attendez, il faudrait qu'on arrive à monter là-haut. Alors, est-ce que c'est le vrai chemin ou est-ce que c'est un passage secret? J'en ai aucune idée, en fait. Plutôt mystérieux tout ça. On va prendre la princesse Peach. Hop. Je réponds pas aux questions qui ont un peu aucun intérêt. Hein. Je suis désolé. Je vois une question qui revient assez souvent, mais c'est pas non plus le but. Hein. Alors, arrête le temps et immobilise les ennemis.
Non! J'étais sûr qu'il y avait un truc à ramasser au milieu. J'en étais sûr. On va quand même essayer de le choper. Hein. Le trésor au centre. Il y a un loup aussi là, faudrait qu'il se la ferme un peu. Ok, pas du tout. Pas du tout comme ça qu'il fallait faire. On va plutôt tenter de monter jusqu'en haut et d'actionner le parapluie juste après. Oh, c'était beau ça. Fléau. Ok, allez, on va rentrer. Alors, je sens qu'on va avoir quelques difficultés dans ce manoir. On va faire attention, notamment... Qu'est-ce qu'il nous fout, lui? Ok, on va les laisser tranquilles, ils sont un peu trop résistants à mon goût. Qu'est-ce que ça? Ok, je sais pourquoi il y a une boule comme ça au milieu du chemin. Un peu bizarre. Ouais, pour le coffre, fallait monter, ouais, fallait monter au 3/4. Oh, il y a quelqu'un là. C'est qui celle-là? Salut à vous! Bienvenue, bienvenue dans le manoir de Merly. Je suis la gouvernante de Dame Merly, je m'appelle Mimic. Oh, c'est Mimic. Mais vous pouvez m'appeler Mimine si vous préférez. Je suppose que vous êtes là pour voir Dame Merly. Fort bien, Dame Merly est au premier étage, dans la dernière pièce. Entrez sans frapper, oh j'oubliais. Que je ne prenne pas entrer dans une autre pièce, compris. Bonne visite. Eh, c'est vachement louche là. Déjà, pourquoi il y a des monstres dans le manoir de Merly alors qu'on est, censé être gentil? Premier étage dans la dernière pièce, hein. Je le sens très très mal cette histoire. Alors. Légèrement un faux plafond, j'ai l'impression. Oh la vache, voilà, bon, hein, c'était prévisible. Vite! Faut qu'on parte d'ici! Attendez, juste un truc quand même. Ah ouais, non, je suis pas fou, j'avais bien vu ce qui me semblait. C'est le faux plafond le plus inutile de tous les temps. Mais bon, hein. C'est pas grave, on va le laisser s'écraser. Voilà. Bon. On s'est fait piéger. Ouais, Mimic. Mimic, je la sentais pas, hein, cette Mimic. Ok. C'était pas simple, mais c'est passé. Ok, la porte de Dame Merly. C'est super bizarre le trajet qu'ils nous font faire là, en équilibre. Ouais, bon, à chaque fois je vois vos réponses, enfin, vos indications, mais un peu en retard, notamment je vois un commentaire qui me dit de faire la 3D pour éviter que les pics me tombent dessus. Donc c'est un peu en retard comme commentaire. Et j'ai l'impression que ça ne sert strictement à rien ce que je suis en train de faire, mais bon. Ah ah ah. Vous me direz. Pas forcément. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc caché là? Plutôt bizarre. Non, bon, il y avait rien de caché. J'ai pas compris à quoi ça servait de faire ce chemin. Bon, du coup, on va aller se plaindre un petit peu à la Mimic, là, parce que c'est n'importe quoi. Hé, hey, t'as voulu me piéger. Comment? Dame Merly n'est pas dans la dernière pièce du premier étage. Mince alors, j'ai dû mélanger les pinceaux. Elle doit être dans la première pièce au premier étage, essayez donc. Ok, je la sens mal, encore une fois, cette histoire. On va aller voir quand même, hein. Ce serait dommage de rater des récompenses parce qu'on n'a pas fouillé toutes les pièces. Oh, un champignon. Oh non! Oh le piège!
Oh la honte, comment j'ai pu tomber dans un piège comme ça? Ah, le vieux champignon accroché au-dessus du vide. Ok. Ah, oh, c'était le piège le plus nul du monde et je suis quand même tombé dedans, quoi. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Bon, moi, on a ramassé un champignon, hein. Pas si mal que ça. Bon, c'est dommage qu'ils aient mis un tuyau pour qu'on puisse s'en sortir du piège. Ils auraient pu nous laisser croupir pendant des milliers d'années là-bas. Donc non, c'était pas la bonne pièce, encore une fois. Ok, au milieu à l'étage. Bon. Qu'est-ce qui va nous arriver cette fois-ci? Il va nous tomber une horde de monstres sur la figure. Oh oui! Oh, j'ai bien fait de venir dans cette pièce. Mais purée! Deux fois le même piège! Sérieux? Aïe! 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 Reviens par là, petit tuyau. Bon, je me fais troller par les champignons, je me fais troller par les pièces. Eh, je les veux, moi, les pièces. Jamais 203, hein, comme on dit. Bon, je crois que j'arriverai pas à passer pour ramasser les pièces. Ah, bon, quoique, je peux passer avec Peach, en fait. Attendez, on va grappiller quelques pièces, tout de même. Voilà, voilà, voilà. Et les deux dernières, elles sont piégées. On n'y touche pas. Parfait. Ah oui, j'aurais dû passer en 3D pour récupérer les pièces. J'en aurais eu davantage. C'est pas faux. Bon, est-ce qu'elle va dire autre chose avec la princesse Peach, peut-être? Alors, Dame Merly doit être dans la première pièce au rez-de-chaussée. Allez, hein. On va toutes les faire. Eh. Ça sent le piège, hein. Vous en pensez quoi? Mais. Mais. Non! Pourquoi? Mais... Oh, je me barre d'ici, moi. Il nous poursuit. Oh, il y en a... Oh, on pourra pas l'avoir. Ah, à moins qu'on utilise peut-être... Lance-loin. Ils auraient pu prévoir ça, quand même, dans le jeu. Bon, en tout cas, ça ne marche pas non plus. Ok, j'ai réussi à enchaîner le plus gros, mais il y a des malades dans le coin, vous ferez mieux de pas trop les taquiner. Ah, tant que je suis pas tombé dans le piège, elle va pas nous... D'accord. Bon, on va tomber dans le piège. Tant pis, même si tout est fait prévisible. Ah là 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 là, un champignon. Oh, une trappe dans le sol. Je m'y attendais pas. Ok. On n'a pas besoin de les tuer les petits bouts, on va les laisser tranquilles. Ah, on peut faire exploser Bombi plus rapidement. Ouais ouais, je ne savais pas, en effet, merci pour l'astuce. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire cette fois-ci? Dame Merly est introuvable, mais... Ok, je sais que Dame Merly est quelque part dans le manoir, cherchez partout. Bon, tu vas vraiment nous énerver jusqu'à la fin, toi. Je sais où elle est, ta Dame Merly. On va aller la chercher. Voilà, puis on libère le chien au passage. Comme dans Super Mario 64. La pauvre servante, elle va se faire bouffer par le chien. Ça lui apprendra à nous avoir piégés.
Ok, ce manoir est étrange. Ah ouais, on peut faire ça aussi comme astuce, comme raccourci pour gagner du temps. Eh bien parfait, encore un chapitre rondement mené. Pour l'instant, la difficulté n'est pas trop présente. Mario et Peach continuèrent leurs recherches s'engouffrant au plus profond du manoir. Ils avaient beau scruter le moindre recoin, il n'y avait aucune trace de Merly. Où pouvait bien être cette mystérieuse magicienne? Ah, peut-être par ici, se dit Tippy, s'efforçant de ressentir la présence du cœur pur. Plus ils progressaient dans le long corridor, plus l'ambiance se faisait oppressante. Chapitre 2-3, le casse du siècle. Ah, visiblement ce chapitre est plus dur. Eh, génial, ça commence bien, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas dû casser ça. Vous l'avez cassé, vous avez cassé mon vase préféré! Imbécile! Ce vase représentait tout pour moi, vous l'avez cassé! Vous allez me payer, vous allez le payer très cher. Ce vase vaut 1 million de rubis. Mais c'est pas des rubis dans le jeu, c'est des pièces. Des rubis? Je crois pas que Mario soit en possession d'une telle monnaie. Ça n'a rien à voir avec les pièces, je suppose. Les pièces, vos pièces ne valent rien en comparaison, je crache sur vos pièces! Donc si je comprends bien, vous n'avez même pas un seul rubis sur vous, c'est bien ça? Donc c'est un petit clin d'œil, notamment, il y a un passage dans Wind Waker où on peut casser des pots et il y a un mec qui s'énerve si on le fait, je pense que c'est un petit easter egg, comme on dit. Alors, dans ce cas, vous allez devoir me rembourser à la sueur de vos fronts. Au travail. Alors, je vous aurais gagné 1 million de rubis, venez les déposer dans la pièce du fond. What? Nos héros se retrouvent avec une lettre d'1 million de rubis. Putain, mais il valait si cher que ça, ton pot, là? Faut que j'aille dans la salle du générateur, maintenant. Sautez, pupus! Musclez-moi ce qui vous sert de jambe, avec ça, je veux voir de la sueur! Le boss déteste l'obscurité encore plus que les choux de Bruxelles! À ce point-là. Qu'est-ce qu'ils font, ici? Oh oui. Ah, ils sont obligés de sauter quand il y a l'électricité qui leur arrive dans les pattes. T'es qui, toi? C'est la salle du générateur. Frotte le bloc, fais tes installes, gagne les rubis. Et tu es là pour travailler. Ouais. Ok. Allez, on va gagner quelques rubis. La 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 la, on travaille bien. Non mais attendez, mais je suis pas un esclave, moi. J'ai gagné combien de rubis en faisant ça? Vous avez gagné 16 rubis. Ah, c'est pas mal. Il en faut combien déjà? 1 million? Ah, mais en fait, il y a vachement du monde ici. Peut-être que 16 rubis, ça suffira. Faudra qu'on retourne la voir. Le bon code. Je n'ai pas trouvé Merly, l'avenir de mon couple semble plutôt compromis à présent. On va fouiller les autres salles du coup. Ils sont tout petits. Une nouvelle puce, c'était au courant qu'il y a une salle VIP et en plus des autres, il paraît qu'on y gagne des rubis beaucoup plus vite qu'en frappant des blocs. Il faut un code pour y entrer que seuls les membres VIP connaissent. Si seulement je pouvais mettre la main sur ce code. Ah, faudrait qu'on... Non! Et voilà, bon ça va souvent arriver dans ce let's play. Faudrait qu'on arrive à s'emparer du code parce qu'on va pas non plus taper le bloc à étincelle toute notre vie. Allez. Ce manoir regorge de passages secrets. Inspecte les murs, regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, explore chaque recoin. Oh! Qui c'est lui? Je viens de dégoter une info de premier choix. Tu m'as l'air sympathique, je voulais te faire payer 10 000 rubis, mais pour ça, ce serait... Pas question. J'ai l'air des radins, bouge de là. Qu'est-ce qu'il voulait nous extorquer comme information, lui, à 10 000 rubis?
c'est une blague. Bon, sinon on peut sauter, hein. On aura les 1 million à force. Alors... la carte bouffe. Ça va pas nous aider dans notre aventure, ceci. En revanche... on va jeter un petit coup d'œil à ce qui se cache de l'autre côté. Hop. Alors ici, il y a d'autres gens qui travaillent, on dirait. Alors, 100 rubis le secret. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir me faire payer, là? Mange un champi, c'est bourré de vitamines. Frappe ce bloc pour en faire sortir un dangereux. Délicieux champignon, c'est 10 rubis de champi. D'accord. Ok, donc là, c'est là où ils nourrissent... ils arrivent à nourrir, pardon. Les personnages... enfin, les esclaves, plutôt. Bon, ça nous aide pas forcément, tout ça. Non, mais stop. Voilà, donc, c'était la séquence ouverture et fermeture de porte. Bienvenue chez Ruby NC, épargne et crédit. Déposez quelques rubis. Yeah, on a déposé 5 rubis. Plus que 999 995 rubis. Je vous aime. Super, vous savez ce que j'aime moi, les rubis. On s'est fait remballer. Ok. Alors je sais pas où est-ce qu'on va trouver la solution. Attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai pas essayé de faire aussi. Je suis pas allé voir s'il y avait quelque chose à cacher sur la... à casser. Oh pardon, j'ai du mal. Ici. Alors, je pense qu'on peut pas le voir. Ah si, regardez. Eh, tiens. Tu sais quoi? Moi je sais! Hey, tu sais quoi l'ami? Hein, tu sais quoi? Si tu fermes les yeux et que tu penses très fort que le monde n'existe plus. Ça c'était du grand frisson où je m'y connaissais pas. Quoi? Mes sens me disent que tu es le héros. Oh, bienvenue l'ami. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Tu m'as l'air de manquer de grand frisson. Et je me vois mal donner mes pouvoirs à quelqu'un qui est trop juste en frissonnage. Alors voilà ce qu'on va faire, je vais recharger ta jauge de frisson en 10 secondes. Ouais, je serai plus fort après. 1, 2, 3, 5, 4, 12, 3,15, un marcillon, 10. Te voilà chargé à bloc, l'ami. Ouais, le frisson est en toi. Nous les pixels, on a des tas de pouvoirs utiles, alors il faut prendre bien soin de nous. Ok. Svelte, le pixel amincissant, est maintenant votre ami. Utilisez son pouvoir pour vous tourner de côté et éviter ainsi les pièges ennemis. Lorsque vous êtes sur le côté, vous êtes invincible tant que vous restez immobile. Jouez à cachage, l'expérience la plus frissonnante qui soit. Alors, je me demandais justement comment passer dans les barreaux en bas. Alors avec Svelte on va pouvoir passer, mais... à quoi ça sert? Tais-toi toi. T'avais qu'à pas me remballer. Voilà, je me suis mis en prison. Pff. Ça sert à que dalle. C'est pas encore la solution, on dirait. Hum...
On va vraiment tout fouiller. Je sais pas non plus regarder ce qu'il y avait en bas. Là-haut, non. Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose dans la salle avec les étincelles. Ou alors ici, hein, après tout. J'avais pas bien regardé, non. Là, y a rien. C'est sûr et certain, du coup. Et donc, tout en haut, il nous reste encore une solution. C'est de fouiller un peu cette... Oh, regardez, y a encore un plafond. Y a encore un étage, hein, j'ai l'impression. Eh, hey, mais en plus, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça sent les rubis là-bas, il doit y avoir un max, mais impossible de passer. Oh, on est passé. Ok. Crotte de scrogneux. Je connais pas le code. Ah ouais, balèze les lasers. Je crois qu'il va falloir qu'on aille récupérer 100 rubis, qu'on aille acheter le code à l'autre bonhomme là qui voulait nous donner une information. Parce que là, on a tout fait, sauf justement échanger nos rubis contre un code. Ah, attendez, je vois certaines personnes qui me disent que ça bug tout d'un coup. Non, normalement ça devrait pas bugger. Alors on va aller chercher quelques rubis. Et ensuite on échangera l'information contre les 100 rubis qu'on aura récoltés. Le mec qui s'active à donner des coups dans le vide, ça sert tellement à rien. Allez. Un, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, posez-moi vos questions en attendant. Parce que là, on est là pour un bon petit moment. Hop. Je sais pas combien on en est. Le concours pour Watch Dogs, j'en reparlerai durant Let's Play, hein, ça n'a rien à voir avec, avec notre Let's Play sur Paper Mario. Bon, on en est à combien là? Ah, 75. Encore 25 fois. Et on pourra acheter l'information. Eh ben, je pensais pas qu'on serait utilisé comme esclave. Voilà, ça devrait être bon. Ciao le mec, je me barre. Alors, qui c'est qui voulait déjà nous échanger des rubis contre une information? Je crois que c'était le mec dans cette salle là. Mince, ah, c'était pas lui. C'était qui alors? Non. Mince, ah, il était dans quelle salle le gars? Attendez, mais c'est pas possible. Ah non, mais il y avait une salle aussi en dessous avec... Il y avait une salle là-bas, ouais. Je m'en souviens. Tac. Je vais me rendre fou avec cette musique là qui tourne en fond. Ta mère t'a appris à faire confiance aux inconnus. Alors, je vais te filer le code de la salle VIP. 5963. Ok. Bon bah tant mieux, 5963.
On va se rendre dans la salle VIP du coup. Et là dans la salle VIP on a moyen d'obtenir des rubis plus rapidement. Hein. C'était ça l'histoire. Alors, 5, 9, 6, 3. Voyons voir à quoi ça sert. Ok, ouais, non. Dans cette salle, il court pour faire des rubis. C'est pas forcément mieux la salle VIP que la salle normale. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, est-ce qu'on peut leur parler quand même à ces petits bonhommes? Ok. Ici, on gagne gros. Bon, bah, on va tenter. Oui, allez, hop. Allez, c'est parti! Alors, je sais pas du tout pendant combien de temps on va devoir faire ça. Est-ce qu'il faut qu'on monte jusqu'à 10 000 rubis, là, pour l'autre qui voulait qu'on lui donne l'information? Je ne sais pas. En 3D, dans l'autre... Alors... Je suis en projecteur sur une grande télévision devant 250 personnes. Je veux bien une photo si c'est vraiment le cas. Parce qu'on peut faire une soirée devant 200... Enfin, une soirée à 250 devant du Paper Mario. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais ça doit être assez drôle à voir. Bon, on continue comme ça. J'ai l'impression d'être un hamster. Bon, ouais. Combien tu vas me donner? Bah. 1600 rubis. L'autre, il en voulait... ouais, il fallait qu'on aille jusqu'à 10 000. Hein. Bon, bah, c'est parti. On continue. C'est le jeu le plus passionnant du monde. Je crois pas qu'il y ait encore eu de jeu indépendant simulateur de cochon d'Inde dans une roue, enfin simulateur de roue hamster. Si vous êtes développeur, c'est un créneau à prendre, hein, je pense. On a eu Gold Simulator, bah vous faites Hamster Simulator et je pense que vous devenez millionnaire. Est-ce que tu comptes faire le Paper Mario sur Nintendo 3DS? Bah c'est possible, mais j'aime bien varier moi, donc je pense, je sais pas du tout quand je m'y attaquerai. Peut-être, c'est peu probable, mais peut-être que j'y jouerai uniquement de mon côté d'ailleurs sans le faire en live. Ok. Et vous savez quoi, on va faire un truc génial. Vous allez me donner le code pour la porte d'en haut. Je me casse. On les abandonne totalement d'ailleurs. Voilà, moi ce sera plus rapide et on n'aura pas à se prendre pour un hamster. Ce qui est un peu dégradant tout de même. On est censé être le héros légendaire. Hein. Pas le hamster légendaire. Même si ça rime. Ok. Ceci est un fail. Aïe, ça pique. Aïe, ça repique. Allez, viens par là, mon petit laser, viens par là. Alors, je vois des codes qui apparaissent petit à petit. C'est cool d'être en live, quand même. Alors, 412. Tac, 412. 628. 628. 16. Eh ben voilà. Holy shit. Et si on avait moyen de cambrioler des banques dans les jeux Zelda, ce serait tellement aussi bon. On pourrait acheter tous les objets du jeu. 1 million de rubis, bah il y avait plus qu'il fallait quoi. Ça tombe bien. Je sais pas qui c'est qui avait caché son argent ici. Mais... En attendant, on sait toujours pas où est cachée cette fameuse Merli. Hein. Allez, on s'en va. Youhou.
Je pense qu'ils vont être surpris en bas qu'on va leur ramener les rubis. Elle va pas comprendre l'autre. Merci beaucoup d'avoir payé votre dette en entier. Quoi? Comment vous faites pour gagner autant de rubis? C'est censé être impossible! Non, vous avez brisé ma magnifique malédiction! Oh oh. Nya! Je me vengerai! Oh. La vache! Et heureusement qu'on n'est pas sorti avec elle, hein. Ça aurait été un petit peu la loose si notre copine avait explosé comme ça. Ok, fin du chapitre. Papa lapin, papa lapin, ya ya. Allez, on sauvegarde. Mimic, la mystérieuse gouvernante disparue dans une étrange explosion. Non, disparue. Quel était son plan et pour quelle raison voulait-elle faire de nos héros ses esclaves? Par ici, dit la princesse Peach en montrant du doigt un escalier menant à la cave. Est-ce que Merlie est ici? Pensaient nos héros, tout en s'engouffrant dans l'obscurité. Descendre cet escalier était le seul moyen d'en avoir le cœur net. Bon. Le face-à-face. Le cœur pur est proche, je ressens ses vibrations avec beaucoup plus d'intensité. Ah, il y a quelqu'un qui nous parle d'ailleurs. Je suis Merlie, la maîtresse de ce manoir, comme je suis heureuse d'enfin vous voir. Cela fait des heures que je vous attends, votre arrivée est un soulagement. L'heure n'est pas au blabla, j'ai un gros problème sur les bras. Je me cache, j'ai la frousse, un monstre horrible est à mes trousses. Je suis cloîtré entre ces quatre murs, mais vous me trouverez, oui j'en suis sûr. En chemin, faites attention, vos yeux détournent, vous joueront. N'oubliez pas à la première impression. Je sens pouvoir diminuer, dépêchez-vous de me trouver. Êtes-vous prêt pour cette... Mais, elle a disparu. Oh. Elle a voulu qu'on soit très 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 prudent. Bon, le genre de personnage à parler en faisant des rimes tout le temps. C'est le genre de personne un petit peu louche, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après elle avait besoin de notre aide, donc on ira peut-être l'aider tout de même. Donc on va se laisser ici en fait, on va arrêter le let's play ici, parce que quand même ça fait une heure que nous sommes ensemble, on a bien avancé dans le jeu. On a presque terminé du coup ce nouveau monde, donc on aura l'occasion de terminer ce monde et de trouver Merlie donc durant... le prochain live qui sera normalement lundi soir à 21h, nous reprendrons donc la suite de cette aventure. En attendant, je vous posterai durant la semaine la rediffusion de cet épisode, pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément pu y assister. Et alors demain, il n'y aura pas de live, je vous l'annonce. En revanche, jeudi et vendredi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, demain, il n'y aura pas de live, pour ceux qui se posent la question. Donc la soirée MMO est annulée. Voilà, en tout cas... Passez une bonne soirée, on se retrouve sur ma chaîne YouTube et passez aussi une bonne nuit. Ciao, ciao tout le monde !